Salut YouTube, et nous on se retrouve avec Trixie et Chris, et on va attaquer la troisième grosse quête de Chaos Ban. Alors les deux premières, si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à fouiller dans les vidéos précédentes car elles sont là. On mettrait un lien juste au-dessus ici sur le i avec voilà. La playlist de Chaos Ban. Et du coup, c'est parti. Donc, la quête précédente, on a trouvé un soldat qui nous a dit que les ennemis avaient trouvé des soldats vivants pour un sacrifice. Donc là, le but, c'est d'aller sauver les prisonniers avant qu'ils aient le temps de préparer leur sacrifice pour le Lord de la Pestilence ou un truc comme ça. Oups, non, c'est au-dessus. Comment je peux... Oh non, c'est tout en bas. Oh là là. C'est pas évident sur le minimap, mais c'est en bas à gauche. Et voilà, du coup, on essaye un petit système, en fait, quand vous avez pas envie de marcher. Vous lâchez la manette et il y en a un qui conduit, voilà. C'est ça. C'est assez pratique. Voilà. Donc, pour sauver les prisonniers, on descend encore en bas. Et voilà. Main quest. Quête principale. Notre petit démon préféré. Merci à toi d'être là pendant les chargements. On va le connaître par cœur. Yeah. Petit démon de feu. Donc bien entendu, si vous avez des conseils à nous donner pour un nain ou pour un mage, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Nous, on accepte tout. Bon, par contre, on veut juste pas de spoil. Si on a oublié quelque chose à faire, bien entendu, ça vous pouvez le dire, parce que si c'est déjà passé, c'est passé. Oh. Les cadeaux pour le tueur. Ok, on a 10 minutes pour sauver 7 prisonniers. Allez, on va aller leur marrer la tronche. Donc ça paraît un peu simple, on s'est mis en normal. Peut-être que les... Moi, je peux pas le sauver, j'arrive pas. You saved my life. Skip. Voilà, en gros, on l'a sauvé, hein. Il dit rien de plus que ça. Ouais, il baratine un petit peu. Allez, on a 10 minutes, là. Allez, on n'a pas le temps, toi tu crèves. Oh, il y a des bêtises. Oh, excellent. Je te booste un peu la vie, au cas où. Donc en effet, si on voit que c'est vraiment trop facile, on essaiera de monter un tout petit peu la difficulté pour la quatrième vidéo. Ah, cool! J'aime mon R2. C'est un sort de saute. Ouais, R2 c'est... Tac. Oh, ça les repousse en fait. Le temps que tu combats, je loot vite fait, comme ça. Yes, ça... normal. Donc bien sûr, hein, on a bien vu tout à l'heure, tout est partagé. L'or, etc. On pensait pas, mais c'est vraiment bien partagé. Oh, tunique de mage. Hop là, une tunique de mage bleue. Peut-être les prisonniers sont sur les côtés. J'ai vu cette fois-ci. Alors. Il va peut-être y avoir un prisonnier là quand même. J'espère. Oups. What a sweet. Allez, ça c'est fait, voilà. J'étais un peu empoisonné. Alors. Il y a un truc qui clignote tout à droite. Ouais, je pense que ça, c'est un prisonnier. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres? Non, non, il y en a un tout là-haut, là, quand tu regardes sur la map. Ah oui, ok. My spells need more power.
calmer s'il vous plaît? On a 10 minutes, c'est chaud, hein, il reste plus que 6 minutes. Allez, 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 on essaye, on essaye. My spells need more power. Ok, ok, ok. On est chaud. Just another second. Allez. Now, first of all. My magic is not ready. Hop là. Alors désolé si on parle pas trop, on est un petit peu ouais, on est un peu pressé par le temps. Désolé, désolé. Parce que comme vous voyez, on a un timer et il reste 5 minutes pour trouver 6 prisonniers. Bien, bien, bien. Il y a des fragments ici. On trace, on trace, on trace. Allez, allez, allez. On va aggro tout le monde. Oh, oh my vache. God, there's a huge thing. I need more time. Oh, il y a le gros lore là. Je suis hyper mal l'enfoiré. My spells need more power. No, I need more time. Ah, il a fond sur moi et on l'a tué. Là, on en a deux, trois. You saved my life. You... Cool. On n'a plus qu'un autre spawn à faire vite fait. Allez, 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 hop, 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 hop. Ça fait plaisir quand on voit le temps et qu'on se dit putain, ça, il reste plus que 3 mecs à sauver. Allez, go. My magic is not ready yet. Je suis bloqué, je peux pas t'aider. Am I too weak to use my magic? Oh, I need more time. Hop là, c'est bon, on les a aggro. Oh, il y a deux coins. Yep. En bas, en haut? En haut. I won't forget. Le petit coffre. Moi j'essaie de buter les prisonniers. C'est pas ça l'objectif, Trix. Eh non. C'est si Trix. Si tu pouvais le garder en vie, ça pourrait être pas mal. C'est allez. Trix, t'as tout looté. Yeah. Cool. Je crois. Moi je suis bien empoisonné là. Yeah, pareil. Moi j'ai pas l'option de tout essayer de livrer. Parce qu'il y a des ennemis je pense. You saved my... Voilà, le dernier. Et il y a un autre. Ah, il nous reste 3 minutes. Vite, 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 vite. C'est la course. Il nous faut un de plus. On revient à l'outil après. Allez, ici, en haut des escas, en haut des escas. J'arrive pas à passer. Yeah! Waouh! T'as vu mon super saut? J'ai baissé tout le monde en vie! What's amazing! That was so good! On a réussi! Wouh! Oh la vache! Là, on a le temps de looter et de filer la clean. Yeah, nous on y allait tranquillement au début! Ah, donc si on a loupé des choses, c'est pas grave! Il y a des sous en bas là, je vois. Attends, je vais peut-être me restuff vite fait parce qu'on a chopé plein de trucs. Pas faux. Alors. Ah, yeah. Yeah, ok. Ça.
Oh là là. More armor. Plutôt pas mal. Ça, alors là je perds un petit peu en puissance. 9, oh, ok, mais je gagne en vie et en armure. Ouais, tant pis, on va prendre ça. Les pieds. 11, ok. Là, plus 1. Ok. Là, oh, 5,8. On va prendre ça. Ok, I'm good. Là, and. Tu vas me suivre de toute façon. C'est bien. Yes. Ah ben là. Oh non, j'ai sauté. Mal sauté. On va prendre ça. Il y a des bottes de mage qu'on vient de récupérer. Oh bah vas-y, allez, on va se reloot. Oh. Zut, viens là toi. Tiens-moi. Counter attaque de mage, ouais. Bref. Oh, on va prendre ça. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu veux faire? Je reviens en arrière. Je crois qu'on a tout fait ou pas? Je pense oui. Plus bon, ou allez, moins. On va aller faire. De toute façon, je pense que c'est comme tous les jeux comme ça. Il y a énormément de trucs que tu peux refaire et tout. Donc... Yeah, sûrement. C'est pas très grave si on oublie un objet ou deux. C'est ça, c'est cool. Le frisbee de feu. Toujours. Ce chargement. Ok, return to checklist. Bah on dirait que voilà. Il est au-dessus. C'est le grand mage. Lui il est fait. Hey, moi je peux faire sortir. I'm a monkey. I'm a little singe. Il est là. The captives have been free. On a libéré les prisonniers, juste comme j'ai dit. Pas un seul humain a été sacrifié. T'as bien fait. Les dieux de chaos n'ont pas donné des cadeaux pour ceux qui ratent. On a affaibli le culte et on a augmenté nos chances de victoire. Maintenant, c'est le temps d'avancer nos avantages. Reviens vers moi quand t'es prêt et je vais vous donner une nouvelle tâche. Hey, yeah! Cool! 3000 XP, 500 pièces d'or, un collier. Oh! Nice! Et un autre skill, Bloodlust. Attends, moi faut que je regarde un petit peu c'est quoi? Video. No, not video. Alors, le nouveau collier. Ouh, c'est en or! Ah, c'est en or, ah, c'est en bas, voilà. Alors, 75 d'armure, hein, maximum d'énergie. Et là, j'ai quoi? 125. Ah, je perds un peu de vie. Moi je perds beaucoup. 4 et 2,3. 4 et 2,3. It's not very good. Moi je gagne 1,8 en armure. Mais je suis pas forcément le plus fan que ça. Je vais garder du coup mon skill actuel. Alors du coup ouais, qu'est-ce qu'on a découvert là-dedans? Oh, R2. Donc R2 c'est ce qu'on avait découvert. Oh, on a les orbes supérieurs. Et attends. Moi j'ai Savage Swing supérieur aussi. Rond. C'est où qu'on voit nos points? Oh ok. Alors en fait. Attends, comment j'ai vu ça? Level 9, attends, je les avais tout à l'heure les points. Là. Dommage. Non, c'est bon, tu peux regarder. Tu veux pas savoir où sont les points? Oui, mais c'est juste que je me suis dit. Tu t'ennuies et j'ai pas de visibilité. Oh, il est en bas. Energy cost 21. Là il demande 10 points de skill et requiert le niveau 9. Attention. Yeah.
Je sais plus où sont les points, il faudra qu'on recherche ça du coup, directement. Voilà. Depuis l'attaque, nous on était sur la défense, en réaction au vers de l'ennemi. Ça finit maintenant. Nous, on doit chercher et détruire le source de pouvoir du culte si on va mettre fin à leur règne de terreur. Bien sûr, High Lord Master. Mais comment on va le trouver? Le culte va avoir des camps qui sont un peu placés un peu partout dans les égouts. Trouve un et capturez son chef. Il va nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Ah. Du coup, là, on va... Oh. En Vitnosac, peut-être? Ouais, allez, vas-y. Okay. Donc, on a débloqué un marchand qui, normalement, est ici. Et il nous permet de vider un peu nos affaires. Yeah, c'est un marchand un peu bizarre, en fait. C'est pas vraiment un marchand, en fait, lui. Pour l'instant, c'est juste un mec à qui on donne des choses. C'est l'Emmaüs du jeu. L'Emmaüs du jeu, hein, pas mal ça là. Ok, j'ai pas eu de truc là. Du coup ça, on va faire ça. J'ai juste pas trade le truc en or. Au cas où plus tard non, on peut le... Plus. Voilà. Sac vide, poche vide, on peut repartir. Yeah! Le graphisme sent vraiment joli. Hein. Ah, j'aime beaucoup, franchement. C'est très bien fait. Étant fan de Warhammer en même temps, oui. J'apprécie aussi. Non, le monde est assez riche et c'est bien fait au niveau haut. On a des réflexions, c'est assez joli. Ça fait penser à Diablo. En fait, c'est ça, c'est un Diablo mélange. HD. Voilà, si t'es fan de Warhammer et que tu aimes Diablo, achète le jeu. Direct, achète le jeu. Du coup, nous, on a pris avec le Season Pass, l'édition spéciale, pour voir un peu plus le contenu qu'ils vont inclure dans le DLC. Et du coup, on avait autre chose aussi avec. Ouais, je sais pas. Allez, 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 toi tu as crevé. Voilà. Il désintègre dans plein de petits. Oh, c'est comme les gros. Tu sais que t'as au début dans Diablo que quand tu les as fait exploser, ça sort des petits vers ou je sais pas quoi là. Ah oui, des zombies dans le cimetière. Oh la vache, il va faire mal s'il me tape dessus. Bah laisse-moi les taper. Et après tu les tapes, tu vois. Yeah, mais ils venaient vers mais moi. Mais il faut que tu me laisses monter un peu d'aggro, sinon. Ils vont venir tout de suite sur toi. Comme ça. Parce que toi, tu les as touchés en premier. C'est pas ma faute. Je peux les frapper de loin, moi. Donc là, on traverse le rempart qui est hyper méga longue. Ça sort de pouvoir. Oh, il y a un coup là. Viens là, toi. Viens à moi. C'est un foutu magicien, ça. Attention à la OE. Ok. He's dead. Ah merde, je me suis trompé de bouton. J'ai pas à me TP exprès dans les ennemis quand même. Ah bon? Am I too weak to use my magic? Donc ça c'est plutôt cool. On a un auto-save. Oh, il y a un gros. Oh la vache. Oh, il y en a un second. Ah, il m'a bloqué. Et d'un de mort. Does not deserve such a sacrifice.
My spells need more power. Bon, là, il... Oh, son explosion m'a fait grave mal. Attends, je vais mourir. Oh là là. Oh non, je suis presque mort. Et là, mais tout. Je peux pas me soigner. Oh zut zut zut. Attends. C'est bon. J'ai eu mon popo pile autant. T'as pas un truc pour mettre un peu de vie? Ça. Yeah, thanks. C'est le mieux que je peux faire. Ah. C'est quoi, ils ont explosé en fait, ils m'ont fait vla les dégâts. Yeah, il nous a fait cher. Il y avait des petites AOE à terre aussi vertes. Oui, faut faire gaffe parce que. C'est pas mal quand les stacks sont morts et après. Tu TP. Yeah. You know, parce que moi je suis un peu plus résistant quand même. Ouais, normal. Je veux bien voir si j'ai pas eu d'autre chose de cool. Okay. Attends. Sorry. Ok. Allez, me tout. J'ai chopé yeah, ça. J'ai tête. Oh. Armure, vie, contre-attaque. Maybe ça. Ok. J'ai que ça. J'ai eu qu'un objet. Très rapide. C'est pour descendre, ok. C'est ici. Yeah. Allez, on s'enfonce encore plus loin. On y va. Ah oui. Quelques mots. Je l'avais. Allez, je suis un cracheur de feu. Par contre, c'est quoi le truc rouge là-haut là? T'as rempli un bar, je dirais, pour un special. C'est quoi ton R2? Yeah, ça. Oh la vache. Ah ouais, mais c'est mortel ça en fait. Fait sortir plein de fragments. Oh, excellent! Yeah, it was nice! Do you know how you did? J'ai balancé des gros trucs là, c'était fun. Attends, t'as vu, il y a des petites herbes rouges par terre qui nous redonnent de la vie. Ils sont sympas leurs égouts quand même. Et ils sont bien faits. Ça me fait vraiment penser à Donjons et Dragons, un peu. Attends, on passe par là. Oh, il y a un gros. T'as un gros? Ok. No. Oh, tu t'es pris explosion en pleine face. Oh, yes. C'est comme en Diablo, les trucs empoisonnés à la fin qui s'éclatent la gueule et t'es là. Yeah, c'est trop ça. Ouf, lutte. Non, c'est bon, j'ai récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, attends, maximum de vie. Attends, ok, on va prendre celle-ci. J'ai chopé un pantalon. Vie, maximum de vie, de régénération. Je perds la régénération de vie, c'est pas grave. Moi aussi, je vais prendre. Oh, j'ai des nouveaux anneaux. Maximum de vie. Et je peux faire plus de dégâts, 53 de dégâts. Ok, on va faire ça. Ok. Ah
Alors pendant le combat, quand je me suis transformé en... en super, on va dire, j'ai eu un trophée. Donc pour les gens qui cherchent à avoir tous les trophées, n'hésitez pas à vous transformer en super, ça vous donne un trophée à première vue. Alors, je pense que c'est ça qui l'a déclenché, hein. J'ai pas regardé le titre en plein combat. Yeah, c'est ça. Voilà, ça nous a donné plus de vie. Les archers. Toi tu crèves. Allez, niveau suivant. Y'a de la vie. Oh, disparu. Non, ça va. Ah ouais, ok. No, I need more time. Ok. Il y a des gros sur moi, c'est oh, bon. He's dead. Tac. Moi j'étais busy contre le mur avec les deux autres. Ah, il y a une pièce là. Exactement où tu étais. Bravo, lazy lazy. Ça serait drôle qu'ils fassent des espèces de gobelins, tu sais, à choper comme dans Diablo. Pour avoir plein de thunes et tout. Ah, il y a un truc au-dessus là. Finally, je sais pas quoi. Point d'exclamation. Juste yeah, ça doit être la quête. Yeah, je pense aussi. On finit d'explorer. Ah, oh bah oui, on finit d'explorer. Un coffre. My spells need more power. Donc, ça c'est assez classique dans ce jeu. On a vu déjà que alors, si on cherche dans les vraiment au bout de bout, il y a des petits trucs. Yeah. Ça c'est plutôt cool. Ça nous permet de nous reloot un petit peu. Alors là, j'ai ça d'occuper. Bon, on va prendre celui-ci. Là, j'ai quoi d'occuper? J'ai celui-ci, 556. Et là, 153, ok. Donc comme vous voyez, hein, c'est pas mal. Moi, je peux faire mon truc dans mon coin. Et du coup, en avançant, ça permet de celui qui se loot, bah, d'avancer aussi, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment bien, parce que comme ça, on partage le temps. Et c'est pas comme si, oh non, on est bloqué, on a des kilomètres à tracer. Les ressources comme Diablo sont... si on meurt. Oh. Je sens la peau d'un elfe. Tue le personne qui croit pas. Ouais. Le hérétique. Oh, y a des gros. Attends, oh là là. I'm sorry, je m'éclipse un petit peu. Quelqu'un m'a slow. Oh, je suis hyper dans la masse. Tape un popo. Yes, mais il arrête pas de me stun en fait. Il est chiant cet archer là, dégage. Ah, oh, je suis mort. Non. Ah, peut-être que si tu vas sur ma tombe, j'arrive à me relever. Et voilà les amis, I'm dead. Première mort du jeu. Bon bah le magicien ne peut pas résister à ces deux machins là, première vue. Oh non. Flûte, j'arrive pas. Non. Punaise. Pay to revive. Yes. Yeah. Ah ok, les thunes servent à revivre en fait, ok. Oui, on le prend. Ferme-le, espèce de fils de chèvre. Si je veux ton avis, je vais te taper pour l'avoir. Ah ouais, ok. Cool. Plus personne. Il doit y avoir une sortie ici. My spells need more power. Yeah, I know.
T'arrêtes pas de le répéter, ça. Ouais, une sorte de... truc où tu pries. C'est pas ici. Non, je sais, mais on n'a pas été voir. Pakov. Cool, super coffre. Oui, c'est pas ici, hein. Non, mais je savais pas, moi. Oh, régénération de vie, ça c'est bon, ça. Enfin, un torse. Ouh, un torse en or. Cool. Waouh, j'ai de nouveau tout. Tout est nouveau. Il manque juste un ring bleu et j'ai tout en bleu. 38, assez. 147. T'as vu? Juste un anneau. Moi j'ai tout en bleu et un or. Ok. Tu étais un quoi? No, it's not true, monsieur Kidelpa. Bah, on pouvait plus avancer. Perfection en demande de la patience. Oh, t'es envieux comme personnage. Quête. Eh? Yeah. Allez. On va voir Teclis. On va lui donner le chef du con qu'on vient de choper. Ah. C'était cool comme petite quête. Hop. Ouais, j'ai bien aimé. C'était. T'as vu ma crête? Ouais. J'ai chanté cette crête like un million de fois. I have a prisoner for you. J'ai un prisonnier pour toi. Un hangar qu'on a pris des comptes dans les égouts. Laisse-le à moi. Je vais chercher les réponses qu'on a besoin. Reviens à moi quand t'es prêt pour notre quête. Je vais te dire tout. Et voilà la dernière quête qu'on vient de taper pour le moment. On gagne pas mal de thunes, c'est pas mal ça. Et on vient de débloquer un perso stage, c'est un coffre où on peut stocker des affaires. Ça c'est bon ça, c'est plutôt cool. Et voilà ce qui va conclure la fin de cette vidéo numéro 3 de Warhammer Chaos Ban. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour la numéro 4. Allez, bisous. Et bisous. Pour les personnes de Twitch, on arrête le live ici pour ce soir et on se voit la prochaine fois. Allez, bisous bisous, ciao ciao. Ciao.